Richelieu, toi, tu es réalisateur. Est-ce que toi, tes films, est-ce qu'ils parlent des situations qu'on vit au quotidien? Est-ce que toi, tu as des œuvres qui parlent de... Pourquoi pas, je peux te donner un titre, La hausse du carburant. On va te fouetter deux jours. Je ne veux pas m'attaquer à ce genre de choses. Tu as peur? Bon, il faut éviter... Tu as peur du gouvernement? Le couteau dans la plaie, comme on dit. Tu as peur qu'on... la plaie. Oui. Non, ça veut dire que tu as peur. Au Kosovo. D'ailleurs, je me prononce pas là-dessus. Ah, parce que tu as peur. Tu me prends dans la bouche, Mathieu. Non, je veux juste savoir. Dans tous les cas, je ne me prononce pas, c'est tout ce que je dis. Tu es un artiste, tu dois parler pour le peuple. Oui, évidemment, je parle déjà assez pour le peuple. Donc, dans mes films, je dénonce des fléaux, à l'instar du Coupon qui est sorti en mars dernier. Dernier, oui. Dans ce film, on parle des fléaux, tel qu'on connaît une fille qui, dans sa jeunesse, va arriver à l'université naïvement et va faire la rencontre d'un jeune homme. Et après, comme ses camarades sont des filles plus vieilles, plus âgées, on va l'entraîner dans des histoires. Non, il faut être vaillante, il faut être veillée. Elle va prendre une grossesse. Et par contre, quand elle prend cette grossesse, elle vit déjà chez une marraine, elle n'est même pas chez elle. Et on va la foutre dehors. Après, elle va souffrir de martyrs. Accoucher dans des mauvaises conditions, laisser son enfant à une autre qui va héberger. Et après, elle va étudier, elle aura les diplômes. Le comble, c'est que bien après, elle tombe enceinte de son enfant sans savoir. Ok, attends. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'elle tombe enceinte de son enfant. Parce qu'elle est coupée du monde, oui. Quand elle laisse son enfant, ah, okay, avec sa jeunesse, elle laisse l'enfant. Chez quelqu'un d'autre. Voilà, bien sûr, pour que celle-là, qui est une marraine, prenne soin de son enfant. Effectivement, elle retourne à l'école. Elle va finir par avoir ses diplômes et être responsable, chef de département à l'université. Quand son enfant viendra vers elle pour les problèmes de notes, ne sachant pas... Elle va tomber amoureuse de... Voilà. Oh. Et elle va tomber enceinte pour une seconde fois. Et c'est à l'hôpital qu'elle saura que c'était son enfant. Donc voilà, ce sont des choses comme ça qu'on vit souvent. Des parents qui sont parfois tout petit peu, entre guillemets, négligents. Les enfants qui sont par la venue du numérique s'emportent dans les réseaux, veulent courir avant l'âge. Et après, ce sont des choses. Pourquoi tu as seulement ce vendeur? C'est vélo. Elle t'a marqué, Magique. J'ai pas de problème, mais je crois que c'est l'exemple le plus palpable. Il y a encore quelques jours, on voyait ces images. Effectivement. C'est assez récent. Oui, on voit encore ces images et on en parlait encore il y a quelques jours. Magique, j'ai l'impression qu'elle t'a refusé. Heureusement que ce micro ne passe pas. Ouais, donc tu peux. Maintenant, nous sommes sur une série, Mon Paradis. À l'intérieur, on dénonce les flots des jeunes élèves qui veulent voyager comme d'habitude et tout. Donc, vous voyez, aller en aventure et tout. Dans ce film, il est question pour nous de montrer cet aspect de la vie facile à la jeunesse et montrer ce qu'ils encourent comme conséquence si continuer à perdurer. Non, pas forcément. Okay. Il y a plusieurs mondes. Nous savons tous tout ce que nous vivons au quotidien. Nono, Flavie parlait tout à l'heure des élèves qui viennent en classe avec des couteaux et tout ça. Ce sont des choses qui sont devenues tellement vulgaires. Et ça devient même normal à un moment donné, les gens le font aussi simplement. On dit que ça devient normal, c'est pas normal. Puisque les gens acceptent, c'est pas normal. Bon, peut-être vous voulez dire que ça devient récurrent comme c'était quelque chose de normal. Je ne dis pas que ça devient normal, mais c'est comme si c'était normal. Puisque ils devaient avoir peut-être d'autres mesures pour pouvoir accompagner ces élèves. Parfois, c'est l'ignorance. Donc, dans les films que nous faisons, il est question de sensibiliser les parents, la communauté éducative en général, le gouvernement sur des mesures. Pourquoi pas, qui pourrait mettre sur pied pour permettre à ses enfants d'être mieux encadrés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font le suivisme, le mimétisme. Oui. C'est quelque chose qui est vraiment récurrent. Comme mon camarade vient, il terrorise les gens. Pourquoi pas moi, j'ai pas peur. On te dit que si tu es fort, il faut pas te laisser faire. Et voilà, tout le monde tombe dedans.
Et après, on a une jeunesse fragile, une jeunesse incapable de produire, comme je dis souvent, qui attend tout, qui veut seulement consommer. Et après, c'est tout ce qu'on voit, on tombe dans la délinquance et tout ce qui va avec. Donc, dans les films que nous faisons, on a le souci chaque fois de présenter un problème et de montrer les conséquences et solutionner ou peut-être donner un début de solution à ces différents problèmes. Mmh. Et c'est dans cette lancée que nous travaillons au quotidien pour ces différentes productions. Je pense que dans les jours à venir, on fera encore des productions qui vont encore plus parler et donner encore du temps pour que nos jeunes étudiants, élèves puissent vraiment remonter la pente, parce que actuellement vraiment le cardio c'est très bas. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est il faut que ça change. Il faut que ça change, il faut que ça change. C'est impératif. Et Nono Flavie, la chanteur, l'écoute. Il faut que ça change de Nono Flavie. C'est la chanson qui est disponible depuis quelques jours seulement. Elle fait fureur sur les réseaux sociaux et à radio, en télé également. Ça marche fort. Il faut que ça change. Moussiki, Mata Moussiki. Allez! One day you go better. Voilà! Mais c'est ça, c'est un même but. Non, 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 ce que je dois dire aussi, c'est que, vous savez, il faut que ça change, certes, mais le changement devrait commencer par nous-mêmes. Oui. Par nous-mêmes, parce que je vais dire un truc assez banal, c'est-à-dire que si tu es arrivé au travail à 7h30 alors que le travail commence à 7h, il y a un problème. Change. Ouais. C'est la somme de toutes ces petites choses que nous changeons nous-mêmes qui fait que. Qui peut impacter, dans le général. Dans le général en même temps. Quoi. Donc, avant de dire qu'il faut que ça change, nous-mêmes commençons d'abord à changer. À changer, ouais. Et je crois que c'est le gros message. Il faut commencer à changer, Didier Arsenal. D'abord, je vais d'abord apprécier la musique. Ouais, toi qui es DJ, il a l'oreille. Ouais. En anglais, oreille, c'est mouth. You have the mouth. The mouth. C'est ça, non, DJ? Il fait comme ça, comme si c'était la guerre. Mais ça va, c'est je suis aplati. Oui, sinon je vais sortir du studio. La prochaine fois peut-être je vais plus être invité. Effectivement. Ouais, ouais, tu parles de la qualité de la musique. C'est une tendance déjà style Makossa, un peu Makossa et avec un rythme un peu de plus de variété, parce qu'à l'intérieur j'ai trouvé plus de variété, c'est pas seulement Ouais. Il y a du macoumé. Et aussi, je trouve que beaucoup de personnes vont trouver le compte. Dans ce truc. Quand je dis trouver compte, c'est pas seulement dans les snacks. Oui. Et aussi, il y a le message qui est passé. Parce que au fond, on suivait. Plus il y a le message, plus ça me fait que donner l'envie de suivre. Je pense que c'est un bon single. Et que ça va beaucoup cartonner. C'est même déjà en train de cartonner. Merci. Oui. Oui. J'invite alors. Maximum de personnes de télécharger, surtout la communauté DJ, et aussi de pouvoir mettre devant ce titre. Et certainement partager le lien dans le groupe de DJ. Merci infiniment. Ouais, ouais. Merci. Samira, toi, tu as dansé. J'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé. Je me suis vraiment retrouvée parce que c'est vraiment ce genre de rythme que moi je promouvois, vraiment tout ce qui est camerounais, tout ce qui va. Là, c'est complètement camerounais. En fait, tu retrouves de tout. Toutes les tribus peuvent se retrouver là, les Sawa, les Bamleke, les toutes Nordis, les sauces. Voilà, c'est mélangé. Voilà, même Babana est dedans. Exactement. Babana, tu es dedans. Moi, j'aime commencer à danser un peu comme les poulets. Ça donne avec tout, vraiment. Ça c'est à télécharger tout de suite. Et c'est la chance, oui, oui. Est-ce qu'on peut la prendre comme danseuse, peut-être? Bah justement, je posais ma candidature. Voilà, c'est l'artiste qui l'a dit, voilà. Voilà, de tout mon cœur, je me vois bien, je tourne comme ça. Je lui montre que j'essaie tout danser, ben c'est tout ça là. Ma coune est même, je suis dedans. Ça sera pour la prochaine fois, parce que là, il faut que ça change. Le clip est disponible sur YouTube. Donc, j'invite tous les auditeurs de la radio du golf. La voix du golf, pour moi, d'aller sur YouTube massivement, continuer à pousser, à donner la force. Parce qu'on danse, certes, mais il y a le message. Le message. C'est celui qu'il faut même partager. On danse beaucoup, mais le message.
avec un peu d'humour aussi. Il faut reconnaître que quand tu es aussi très triste, ne parle pas. Ça, c'est... Ouais. Il faut reconnaître parce que quand tu es un peu trop sérieux sur les réseaux sociaux, il n'aime pas. Ça ne passe pas. Donc, il faut y ajouter un peu d'humour, ce que j'ai fait maintenant. Je voudrais dire merci. Je vais anticiper. Moi, j'anticipe. Oui. Je voulais dire merci. Voilà. Merci à toutes ces personnes qui, avant même que le lien du clip soit disponible, qui avaient déjà fait les challenges et TikTok. Oui, challenge TikTok. Je voulais dire merci spécialement à tous ces comédiens, parce que j'ai l'impression que les comédiens sont même plus concernés. Aimé Virginie. Tu as vu? Mamiton, Lili, l'international, Oga, le Pichichi, Manolap, tous. Ils se sont accaparés le truc. Et dites-moi, sincèrement, je suis assez surprise. Je voudrais leur dire du fond du cœur merci. Je ne vais pas oublier toutes les autres personnes. Les fans, les mélomanes, tous. Moi, je rends grâce à Dieu parce que cette chanson, au départ, quand je l'écrivais, je n'avais pas imaginé qu'elle aurait cet impact. Aujourd'hui, ce que je vois avec mes yeux, comment on dit, j'ai traduit mon papa, avec mes deux yeux si là, non. Ce que je vois avec mes deux yeux si. Je suis agréablement surprise. Merci à tous les médias qui. Matador, c'est déjà dans sa playlist. Comment on dit qui m'arrache là, les médias qui m'arrachent là. L'émission. Les auditeurs, je vais vous raconter ce qui s'est passé ici aujourd'hui. L'émission était censée être, non pas censée, l'émission c'était à 20h. Tellement j'étais pressée de passer à la radio que moi je suis arrivé ici à 18h. À 18h, elle était déjà là. On t'a dit depuis 18h. C'est intéressant, Magic. Moi j'étais pressée d'arriver ici. Mais merci. Pas de quoi, c'est nous qui remercions la main d'être là, surtout. C'est un honneur pour nous de recevoir. Je me souviens quand j'étais encore tout petit, je suivais Marie Cavaleur, je dansais ça sans caleçon comme ça. Ça, c'est ton travail. Tu as été chez nous comme ça. Oui, et on a Samira qui va certainement utiliser cette chanson-là dans tes prochaines, quand tu seras en train de faire tes décos. Exactement. Voilà, il faut que ça change. Il faut que cette maison change. Il faut que la déco de cette maison change. Avec toutes les paroles qui sont là, ça peut s'adapter à tout type de contenu se sent concerné. Exactement.